Alors, bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouvel épisode sur Cities Skylines. Alors, aujourd'hui, on va principalement s'occuper de notre industrie minière. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai arrêté, vraiment juste à la seconde près où j'ai arrêté l'épisode 49, on a débloqué le niveau 5 pour notre industrie minière ici. Donc, on va s'en occuper maintenant. On va complètement rechambouler le tout. Et en fait, j'ai vraiment envie de faire ici certaines zones de construction. Donc, je vais vous montrer. Alors, j'ai pas testé, hein. C'est une idée. Voilà, grande mine souterraine. Alors, ce que je vais faire, c'est on va d'abord agrandir la zone ici. Zou. Voilà. Maintenant, on va mettre plein de minerais. Voilà. Alors, on va mettre juste une route. Je vais juste tester en fait. Voilà, comme ça. Et maintenant, alors, voyons voir ce que ça donne. Ça donne pas mal, hein. Il y a un petit truc. Ok, on a ça maintenant. Je vais voir. Ça, c'est la mine moyenne. J'aimerais bien voir à quoi ressemble la grande mine. Pom-pom-pom-pom. Où es-tu, grande mine? Grande mine, c'est ça. Oh. Ah, d'accord. C'est quand même un peu plus grand, hein. On va juste supprimer celui-là pour une fois voir à quoi ressemble réellement cette nouvelle grande mine. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Et là, il peut en prendre 80 et la 30. Ah ouais. Ok. Bon, bah écoutez. Ce qu'on va faire, c'est on va détruire tout ça. Voilà. Maintenant, on va ajouter plein d'énormes trucs. Alors, je vais en mettre un là pour que ici on sache. Voilà. Et normalement, je peux le déplacer comme ça. Super. On met tout dans un seul sens. Ok, ben, est-ce qu'on peut... Ouais, ça passe juste pas, évidemment. Bah, écoutez, on va quand même le mettre. C'est quand même énormissime, quoi. On est d'accord, c'est pas le truc le plus joli, hein. C'est quand même énorme ici. Ok, et maintenant, attention, on fait dans l'autre sens. Ouais, carrément. Alors, pourquoi espace déjà... Ah ouais, c'est à cause de ça.
Ok, c'est parti. Pour moi qui voulais faire mes grandes mines. En fait, c'est pas mal de justement. Attendez, attendez. En fait, j'aime bien l'idée de. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. J'aime bien cette idée de. On a détruit carrément la zone. Ok, maintenant on va refaire une petite montagne. Genre on l'a vraiment défoncé quoi. Il y a un truc. Je suis pas fort en style, en design et tout, mais je trouve qu'il y a un truc. Ok. Bah écoutez, on va laisser comme ça. On va relancer le jeu. Et on va faire voir ce que ça a donné du coup. Bon, du coup, on doit engager aussi beaucoup de monde. Je vais juste vérifier que les minerais sont bien mis partout. Ah oui, du coup, ils n'ont pas d'électricité aussi. Ok, est-ce qu'ils ont besoin d'eau? Bah, ça va. On a ce qu'il faut apparemment. Alors je vais augmenter juste la vitesse. Ici, on va mettre. Hop. Appliquer à toute la route. Voilà. Alors par contre, ce qui est cool, c'est que ça engage bien. Alors vous voyez ici, on a quand même une belle demande en niveau résidentiel, niveau, enfin de tout en fait. Donc je crois que le prochain objectif, c'est on va se faire des nouveaux petits quartiers. Alors on va essayer de construire, je dirais, deux ou trois quartiers qu'on va faire évoluer ensemble. À voir un peu comment on va faire. Je sais pas encore. J'ai pas encore réfléchi à la zone. Voilà. Aujourd'hui, c'était l'idée de. On s'occupe de notre industrie minière guirlande. Alors. Vaisseau de minage de fond marin. C'est pas mal, ça, quand même. Enfin, je trouve l'idée sympa. Après, il faut qu'on ait un quartier spécialement littoral, quoi. Je crois qu'ici ça va être compliqué de mettre juste ça. Ok, par contre, on a débloqué notre énorme entrepôt. Alors est-ce que. Ah, juste pas. Ça passe juste pas. Bah, vous savez quoi? On va supprimer tout ça. Voilà. On va mettre du coup cet énorme entrepôt. Voilà. Faire comme ça et on va voir si
Ah, par contre, j'ai vu que j'ai dépensé blindé d'argent en fait. Bon, on va laisser comme ça parce qu'apparemment il veut pas se connecter. Ok, donc là c'était combien? 840. Alors. On en met 3 pour le moment. On supprime ça, on prend ça, on tourne le tout. Super. Alors du coup, comment est-ce qu'on va... On va... Déjà, on va transformer juste la vitesse de la route. On va peut-être le transformer en triple route, comme là c'est en triple route, pourquoi pas. Alors dites-moi que je me suis pas foiré. Si. Ok. Voilà. Alors est-ce que il y a toujours la vitesse? Ok, bah espérons que ça va bien se passer. Alors, est-ce que ici ça va? Où est-ce qu'ils vont, eux? Livre des produits à Uranium et fils. Alors, ça crée du trafic, mais c'est acceptable. En vrai, je trouve que ça va, hein. Peut-être que là, ça déconne un peu. Justement, ça fait vraiment l'industrie défonce quoi. Ok, alors oui, évidemment maintenant ça va se remplir de ouf, je suppose. Ça se remplit plutôt bien. Alors, il faudra qu'on pense aussi à où on va mettre. Donc là, on a les métaux, mais il faut aussi qu'on ait tout ce qui est vert. Je vais mettre ça de l'autre côté. Regardez, on va bouger ça. Alors, entrepôt, entrepôt. Voilà, on va mettre déjà en vide. Et on va mettre du vert. Voilà, comme ça, tout ce qui est vert, ils peuvent se remplir. Là, le traitement des déchets continue sans souci. Et est-ce que eux, ils ont des problèmes de minerais, hein? Alors je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'ils sont, les minerais sont trop loin? Est-ce qu'il n'y a pas assez? On a bientôt des problèmes d'eau usée. Et ici, tout ce qui est école et tout, on va devoir gérer. Alors attendez. Là, il va falloir qu'on gère. Voilà, normalement ça devrait se régler assez rapidement. Une fois qu'ils sont que cette petite partie-là est passée. Alors on va mettre deux voies qui peuvent aller sur l'autoroute ici parce que sinon
Ça va pas le faire. Super. Alors, bonne nouvelle par contre. Personne ne meurt trop, on va dire, actuellement. Alors, par contre, ce serait bien que ça fonctionne un peu ici maintenant. Bon, une fois que ça soit passé. C'est fou comme. Regardez comme ça se remplit blindé vite, quoi. C'est vraiment fou. C'est totalement fou. Alors, on va faire ça. On va dire que lui peut aller soit là, soit là. Comme ça, il peut remonter ici s'il veut. Et sinon, comme ça, les deux voies peuvent aller là, en espérant que ça fonctionne un peu. Ok. Ça, c'est bon. Ici, c'est bon. Alors, niveau trafic ici, ça se passe, franchement. Je m'attendais vraiment à bien pire. Et niveau boulot. Ouais. Il y a un peu plus que la moitié, mais jamais à 100%. Peut-être que c'est une question de transport en commun aussi. On n'a pas de transport en commun qui vient ici. Ah si, on a le tram quand même. Bah ouais. Bizarre. Ok, donc cette zone-là, j'aime vraiment bien notre petite zone, même si tout est assez éloigné, c'est quand même assez sympa, je trouve. Alors eux, ils ont vraiment des problèmes, hein. Pas assez de matériaux bruts. Mais quand même de frais en cours d'utilisation, ouais. Je sais pas. Même chose ici. Est-ce qu'il faudrait en mettre juste une et qui carbure à fond? Je sais pas. Ok, alors je vois qu'on a des petits problèmes. Les eaux usées, on va s'occuper de ça maintenant. Alors évidemment, eaux usées, enfin qui dit eaux usées dit usine intérieure, hein. La nouvelle dans ce jeu qu'on va mettre ici, hein. Voilà, à côté de toutes celles qui sont déjà là. Voilà. Ok. Alors normalement ça devrait être bon. Hein. Alors vous avez été plusieurs à me suggérer l'idée. Je crois que ça peut être pas mal. On peut tester. C'est on pourrait mettre les quais. On pourrait se mettre genre un quai là. Alors, très moche. Ouais. On fera ça un autre moment parce que je trouve pas ça très joli. Je préfère presque en sanglant comme ça, quoi. Pom-pom-pom-pom. Ça évolue bien, hein. Notre ville évolue vraiment bien. Alors, on pourrait se dire qu'on va créer un nouveau quartier. D'accord. Qu'on va créer un nouveau quartier. Alors, ici, je crois qu'on va faire ici peut-être une nouvelle zone industrielle. On verra bien quoi. Ou une petite zone juste d'industrie. On pourrait faire ça. Ici, une petite zone d'industrie. Avec un accès vers l'autoroute dans ce style-là. Mais j'aimerais aussi vraiment qu'on commence à faire toutes les transformations. On fera ça sûrement dans un autre épisode. Enfin, dans un autre épisode, ça, oui, d'office. Mais sûrement pas le prochain. Parce que comme ça fait plusieurs épisodes d'industrie, je préfère me dire maintenant, on s'occupe un peu de tout ce qui est habitation. Donc on va faire notre nouveau quartier. Alors, franchement, j'ai vraiment envie de tenter un petit quartier ici. Je sais pas comment, mais un quartier avec tout ce qui est avec des ah ouais, tous des canaux et tout, des canaux, des canaux. Problème ici. D'accord.
Ok. Bah écoutez, prochain épisode, on va aussi régler tout ce qui est université. What? Ok. Ils ont besoin d'université. J'avais dit qu'on ferait un nouveau quartier d'université, donc ça pourrait être intéressant d'en faire un dans cette zone ici. Ouh. J'aime bien ce petit endroit ici, là. Il est vachement sympathique. On verra un peu ce qu'on va faire, mais on va sûrement mettre une nouvelle université. Alors on pourrait la mettre peut-être là au-dessus. Je sais pas. En tout cas, on va faire une nouvelle université. On fera sûrement la prochaine, qui est Arts Libéraux. Voilà. Et voilà. Ben, j'espère que cet épisode vous a plu. On essaiera aussi de toucher à cette zone-là, hein, parce qu'elle est dégueulasse. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et du coup, ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez!